Bonjour, ça va? Bon bah on va jouer à Baldur. Je sais pas, la caméra là, elle casse la tête à chaque fois. Le logo est toujours pas là. Bon, pas comme si j'avais fait des trucs pour ne pas le retoucher. J'ai fait autre chose, mais bon, on en parlera plus tard. C'est bon, ça c'est bon. On lance Baldur. Je coupe le son. Le son est coupé mais pas disparu. Pourquoi? Non, il est pas coupé. Ah, merci. Et bon, on est toujours dans la tour du professeur Dural, comme si on cherchait à savoir. Oui, ma souris. Bon. Parti. On était là. Incroyable, non? Bon, il doit y avoir des trucs à récupérer, mais voilà. On risque de mourir en traversant cette pièce. Là, il y a des sortes de blêmes, je crois. Et ici, il y a toute une armada de squelettes. On va essayer de faire ça tranquillement. En envoyant quelqu'un qui peut se déplacer vite. Je peux toujours essayer. Ah oui, il se déplace très 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 vite. Malheur à vous, Khalid. Si vous mourrez, je vous jure pas du que bon vous niveau, n'en connaîtrez pas je la rappelle. Fin. On n'est pas du bon niveau. On est équipé comme pas possible parce qu'on a tout looté. On va peut-être redistribuer ces potions. Là. Comment qu'on fait déjà? Pas double-cliquer dessus? Je sais plus. Contrôle? Alt? Je sais plus. Comment qu'on fait? Ah voilà. Redistribuons. Sur les potions que nous n'avons pas payées. Vous avez plus de place dans vos poches. Ah mais, j'ai cru que c'était d'or. J'avais dit qu'on abandonnait ça. Ça ne sert à rien ça. Ah mais si, c'est le truc qu'on doit garder. Oh. Pour la traverser, il faut au moins que tout le monde soit bien au clair avec la potion. Ils peuvent utiliser au cas où. Sachant qu'il y a quand même des guérisseurs dans l'équipe. Hein. Il y a 3 personnes qui peuvent se guérir. Bon. On a vraiment les plages pleines, hein. C'est incroyable. Mais c'est moi ou Roland de la Tourbrosson, il a pas de potion du coup? C'est ça, what's the story? Vous l'avez déjà sur lui. Ok. Et on a 57 flèches. Elles sont pas détectées, mais on sait que c'est des flèches. Et il y a des flèches là. On peut les prendre. Incroyable. Donc on va les utiliser tout de suite. Qu'elles font des gros dégâts quand même. Je pense que c'est bon, ça c'est quoi? Potion de liberté. Bon, ça c'est si jamais il y a un problème. Et puis, puis-je vous aider? Tu te déplaces plus vite maintenant. S'il n'y a pas le choix. Indeed.
La technique, c'est de les attirer là. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Et c'est des sacs à flèches, eux. Pourquoi ils ont autant de flèches dans leur poche? C'est indisponible pour l'instant, on attend Bresson, donc on va attendre. De toute façon, à un moment, faudra traverser, donc faut qu'on y aille à un moment. On va commencer par là. Ok, donc première personne passée, on sauvegarde. Ça, c'est les plus rapides, donc normalement, ça devrait aller. Hein ? Dorme. Ça compte 15 ans. C'est bon. Ok. Vera. À vos ordres. Bah oui, j'ai pas calculé le temps. De toute façon, elle pourra se soigner, y a pas de problème. Ben. J'en ai assez! Et bien sûr, Roland de la Tour Brosson à la fin. C'est fait. Ok, je pense qu'on est bon. On est passé d'un côté. On sauvegarde. Une tâche facile. Ils arrivent par derrière. Ah mon dieu. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ah, j'ai erré, elle lance des... des billes. Ah ouais. Ainsi soit-il. Ça fait quoi comme dégâts les billes hein? Jaira subit 8 points de dégâts, mais c'est quand l'attaque? Jet d'attaque. Ça l'a alpagué. Elle a pas fait de dégâts. Je pense que. Ouais. Ça, c'est Roland de la Tour Brosson qui fait des dégâts, quoi. Comme d'habitude. Bon. Bon. Le Vera, serviteur de Dame Nature ça, attend. Ça peut être intéressant pour toi. Hein. C'est ouais, fait. Tunasse, parce que ça porte pas dans nos poches. Ça, c'est bien. Il risque d'y avoir des pièges encore. Déjà qu'on est dans un labyrinthe. Encore là. On va coller le mur. Bonjour Camelu, bienvenue. On a réussi à passer là hier la difficulté de la porte. C'était une vraie carotte. Et nous voilà dans le prochain niveau. J'ai si faim. Ah! Moi, je m'en vais. Ah! Quelqu'un d'invisible. J'espère que tu vas bien, Clem. Une tâche facile. Stream hier. Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète. J'ai stream hier parce que c'était possible. Du coup, on a réussi à régler 2-3 trucs. Attends, je t'envoie le clip, ça va être marrant. Tu vas rigoler parce que j'ai pété un plomb sur les têtes chercheuses de la pièce. Parce que rappelle-toi, on était bloqué dans la pièce. C'était nul. C'était très très nul. Et cette pièce-là, elle, bizarrement, elle fait des têtes chercheuses. Je sais pas trop quoi en penser. Alors est-ce que c'est celle-ci qui est mieux, la plus claire, sur la tête chercheuse? Oui, je crois que c'est celle-là.
avec Razad où on arrive à courir. Et c'est Khalid qui a réussi à s'en souvenir. Bah non, mais si Oui, c'est le lien de la chaîne, mais je t'envoie directement le lien du. Voilà, C'est donc comme on si était c'était fait. à peu près là. Bon, et du coup, on a réussi à Oui, passer, bien mais bon, sûr. grâce à. En vidant les poches de Khalid et du coup, de pouvoir enfin faire quelque chose. En marchant grâce aux bottes de cette lieu-là. Là, apparemment, on va avoir un petit problème. Ici. Ah, derrière aussi. On peut se séparer entre Une tâche facile. Je vais avoir besoin de soins pour m'en sortir. Pour le groupe. Ça se passe comme ça doit se passer, je crois. Mal. On va faire des baies. Permettre de récupérer des baies. On peut pas porter parce qu'on n'a pas de place. Mais qui peut porter Vous êtes ça? une bien étrange personne. Personne, si. Puis-je vous aider? Exactement, on est juste en dessous. Ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel et je ne veux pas y prendre part. Le café est presque passé. C'est-à-dire qu'il va falloir en refaire un. Qui peut détecter quelqu'un qui est invisible? Pas grand monde. Et qui peut prendre les coups d'or? Là, il y a quelqu'un d'invisible ici. Voilà. Maintenant, il nous faut quelqu'un qui puisse oui, viser de loin. Ah, c'était uniquement lui qui pouvait faire ça. Ah oui. Il a tué Dorm! Si oh là 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 là, ça va vite! Donc, du coup, c'est Roland de la Tourbrosson qu'il faut envoyer? Qui Une veut détacher tâche les gens? Facile. Oh non, il y a encore les blêmes là! Passons aux choses sérieuses maintenant! Ils sont pas marrants eux. Je pense qu'on va pas être au courant. J'en ai assez! Oui? C'est possible de pas Je le suivre. Je peux toujours essayer. J'en ai assez. Je vais oh avoir non. besoin de soins pour m'en sortir. Ça va se passer. Ça se passe. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est fait. On va peut-être faire dodo, hein, mais je pense que ça va être la mort. Si on fait dodo. C'est fait. On va envoyer Roland de la Tourbrosson parce qu'apparemment c'est lui qui repère les gens. Oui, bien sûr.
Je dois être plus touché. Oh, oh. Ok. Ah ça, ce serait bien que tu survives. Bon, on va faire dodo, hein, parce que j'ai l'impression que on est amené à faire que ça. Je sais que le matin c'est dur, même pour le... En vrai c'est ça qui me réveille, hein, c'est... je fais un stream pour me réveiller. Par contre faut pas abuser là monsieur la goule. Ou la goule tout court. Ouais, faites quelque chose là contre lui là. Passons aux choses sérieuses maintenant. Oh mais qu'est-ce que c'est, la deuxième fois qu'ils me font des bruits comme ça là. Moi je l'ai dans les oreilles, hein, ça fait mal aux oreilles. Hein. Bon, sauvegardons, on est plein poumon. Bon, de toute façon apparemment on le détecte pas, donc on va y aller. Hein. Voilà. Tu veux taper qui? Tu veux taper qui? T'es où? T'es où? Oui. Là. Non. Il est où? Pour ceux qui ont péri. Il y a un piège en plus. Tuez-le. Non. -47, c'est beaucoup trop, hein. On a perdu facile. Au moins la moitié de nos vies ici. Du coup, on le détecte pas en fait. C'est ça l'histoire. Donc, on va faire la technique de si tu me détectes pas, tu vas pas pouvoir non plus réagir. Your wish. Vous êtes une bien étrange personne. I am prepared. Qu'est-ce que moi? Je m'en vais. Ah bah si. J'ai si froid. Je me sortirai d'ici. C'est qu'il y en a deux? Non. Mais j'ai pas envie d'aller par là parce qu'en fait, de toute façon, on prend des... Oui, bien sûr. Quoi qu'il arrive, on soit à 90 ou pas, on se prend des coups. Donc on va continuer. On va faire comme ça, on ne voyait pas. Hein. Je ne vous vois pas, monsieur. J'ai si froid. Mon cœur n'y est pas vraiment. Un là. Ok, le premier, c'est bon. C'est fait. Il y en a un ici. Quelque part. Imoen est décédé. Genre, d'un high kick en pleine tête ou quoi? Oui. Il s'est passé quoi, là? Oui, bien sûr. On va rester là. Hein. Moi, je... Voilà. On l'a alpagué, il y a quelqu'un ici. S'il vous plaît, démontez-le de ma part. Je vais avoir besoin de... Alors en plus, on active des pièges quand on le tue, mais c'est n'importe quoi. Regardez bien, on approche et on meurt. C'est quand même une histoire, hein. Il survit, en fait. Le personnage principal, tu peux survivre. Bon, assez violent. Ouais, non, mais t'as...
On a choisi le meilleur côté, hein. Sur le coup. Non ? Ok. Je pense que là, en fait, elle aura pas le temps de charger son sort, donc on va tous mourir. Je sais pas qui envoyer, si on va envoyer... S'il voilà, n'y a bon, pas là. Le choix. Un bourrin. Personne. Deuxième bourrin. Personne. Troisième bourrin. Toujours personne. Oui ? Oui, bien sûr. De distance. Personne. Avançons un tout petit peu. Je peux toujours essayer. Ah ! Il est là. N'est pas là. Il n'est pas là. Ah. Elle va y aller. Allez, vole-lui sa vie, là. Fais-lui un Kamehameha dans sa tête. Je m'affaiblis. Il va me falloir. Et puis, puis-je vous aider? Je peux tout. Merde, sûreté. Mais regardez-moi ça! C'est des dégâts de quoi? C'est quoi un Ashirukuru? Encore quelqu'un qui nous balance du poison? Attaque sournoise triple! 27 points de dégâts! Aïe aïe aïe. Bon bah t'es dead, hein. Je crois qu'on peut recharger cette partie. 27 points de dégâts, mais en fait on aurait dû sortir. Je suppose qu'il n'y a pas le choix. 27 points de dégâts, c'est beaucoup, hein. I shall commit to the task. En fait, c'est en plus sournois, donc je ne vois pas trop comment on peut se débarrasser de lui. Hein. On a utilisé une potion de bourrinage pour pouvoir juste sortir d'une pièce. Quoi ? S'il n'y a pas le choix. Regarde-moi ça. On doit attendre après qu'on s'est pris tant de dégâts. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Où il va apparaître. Non. 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 Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Ouais. Donc le but c'est de tuer quelqu'un. Je crois qu'on va pas passer par là. Hein. On va essayer de les éviter. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un piège par ici. Il vous aide-moi, s'il te plaît. Je m'en vais. Fais quelque chose. Trouve quelque chose. Trouve un piège, au oui, moins quelque sûr. Chose à faire genre on désamorce. Et je pense qu'en fait ça, c'est un truc à lance-roquette. Il faudrait se cacher à chaque fois. C'est pour ça qu'on a réussi à survivre. Par exemple, là ça fonctionne parce que... C'est comme là, si c'était fait. Voilà, voilà, vous êtes sorti, vous avez montré votre tête, vous voyez pas. Non, 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 mais vous pouvez rester là, pas de problème. Toujours. I understand. Ah. Ah, ok. Allez, Razan. Fait ça déjà. Et juste pour la gloire du mystère. Moi, je m'en vais. C'est vraiment avancer pour se prendre des dégâts. Hein. Non, 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 on a vu les ennemis les plus faibles, entre les blêmes et... Je peux toujours essayer. Oui, bien on sûr. On les a vus, il y a les squelettes aussi. C'est comme si c'était fait. En fait, on arrive par là. Et là, il y a une pièce qui est déjà piégée, et on utilise la pièce pour tuer tout le monde. Mais...
Voilà quoi, j'en la personne invisible elle a pas l'air de vouloir trop se déplacer, donc du coup, on va rester là. Pas dodo. On va se faire attaquer par des blêmes supérieurs, des ghouls supérieurs, excusez-moi je dis blêmes depuis tout à l'heure, mais parce que on a tellement l'habitude de rencontrer des blêmes partout. Bonjour les ghouls. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Tellement d'incapacitants. Oh, il y a un transparent. Il y a un gars transparent aussi. On sait pas exactement où faut aller, donc je préfère nettoyer une zone au maximum. Déjà. On a réussi à faire dodo, incroyable. Il y a toujours le bruit de c'est l'enfer. Hein. Aha. Passons aux choses sérieuses maintenant. Allez, il est toujours là, il est toujours vivant, il est toujours. Je m'affaiblis. Mère de sûreté, mère de sûreté. Il va réapparaître, il se téléporte. C'est ton téléporteur. Et Kurt Wagner. Ma lame vous coupera un morceau. Oh là 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 là, c'est le bordel. Non. Fais-le là. Vous faites quoi? J'ai si froid. C'est bon? Hein? Pourquoi? Malheur à vous, Khalid. Si vous mourrez, je vous jure que vous n'en connaîtrez pas la fin. Alors, une boule de vieille boule de feu au pif dans les gencives. Je te rappelle qu'on joue anti-intellectuel, un peu. La team est full corps à corps. Hein. C'est un peu ça. Déjà qu'on est des lanceurs de flèches, c'est beau. Regardez, il nous bloque direct, il nous fait des confusions là. On dirait le Sekagoul d'hier de l'anti-stream. Il m'a flingué avec son histoire de la belle époque là. C'est comme si c'était fait. Je sais pas si vous avez vu hier le Sekagoul, c'était l'enfer. L'enfer. C'était bien sûr la télé française, France 2, et bien sûr le conglomérat des idées du terroriste, parce que c'était un peu ça. Bien islamophobe, bien l'enfer, là. C'est comme si c'était fait. Sympa, hein. On dormait mort, hein. J'avais même pas vu. C'est sympa dans le sens où mon cerveau a brûlé. C'est fait. De non-compréhension. Par là, hein, parce qu'apparemment, ils veulent pas comprendre. Ah, je crois qu'il y a un téléporteur quelque part. Ma lame vous coupera. En fait, il faut qu'on regarde si on a une potion pour pouvoir le jeter dans cette tête. Hein. Je crois qu'Irazad il a un molotov. Non, il y a quelqu'un qui a un molotov quelque part. Il faut le brûler. Hein. Faut le renvoyer dans son antre. Potion de résistance au froid, antidote. Potion de soin. Non. Potion de force. Non. Potion de perception. Bon matin, libérer, délivrer, c'était pas un... Un titre de live hier, ça? Bah, je crois. Bref, oui, libérer de l'autre map, on va dire. Bloquer, mais pas délivrer encore. J'en avais assez, et oui, et du coup je continue, je ne sais pas pourquoi, là c'est vraiment de la souffrance. En fait, j'aurais préféré, je pense, que ça s'arrête. Qu'on soit bloqué. Alors, on va utiliser ça. Moen, s'il te plaît, débarrasse-toi de ce truc. Et on n'a pas un molotov là dans le coin. On a des molotovs, on avait des molotovs à un moment. Moen, lance-lui dans sa tête à lui là. Pauvre chose! Connaître la mort si tôt. Mais c'est un sac à pédale en plus. Attendez, je l'ai touché? Parce que à part me tuer moi-même. 2 points de dégâts.
Il résiste à 17 points de dégâts. Pourquoi je continue à jouer? Ouais, depuis c'est pire. Le gars, il a plus de résistance en magie que moi. Regardez-moi tous ces... Regarde. Down subit 12 points de dégâts de feu. Ouais, vas-y, c'est... En plus, pareil, Moen, c'est vraiment... Vraiment, on est bloqué. Hein. C'est vraiment... On a réussi à arriver là, mais on peut plus ressortir. On va essayer de jouer la furtivité. On va essayer de se passer en étant furtif pour voir si il nous attaque en étant quand on est furtif. Bon, on sait que Roland de la Tour Grossement a un meilleur jet de une furtivité. Tâche facile. Allez, hop. On va mourir, hein, je précise. Je pense qu'on va mourir. Ouvre cette porte, vite, 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 vite. Vite, vite. Ferme cette porte. Mais moi où ça pue le piège? C'est les Ashigurukurukuruku, si tu veux savoir. Oh là là, ça pue le piège. À 6 millions de kilomètres. Antidote, super. Il y a peut-être des basiliques ici. Mes meilleurs ennemis. Allez, Roland de la Tour Sombre. La Tour Sombre. C'est bon. C'est ton moment. Ah. Ah. J'adore ce jeu. Une plaie béante sur mer terre. Je la refermerais bien si j'en avais les moyens. Oh. Oh non. Je concède cette mort parce que... Je concède 48 comme ça sert arrondi. Bon, en tout cas, on a compris que on peut se balader en furtivité. Oui, ça, bien sûr. Bon. Donc, eux, ils sont en téléportation, nous, on est en furtivité. Y a pas de problème. Ah, m'ont-ils remarqué? Oui, apparemment. Ça, par contre, je l'accepte pas, je suis désolé. J'étais en furtivité, d'où ça me fusille? Bon, là, ça veut dire que c'est un piège mécanique qu'on n'arrive pas à repérer. Ça veut vraiment dire qu'on est dans le caca. Oui, bien dans sûr. Le caca. Caché dans les ombres. Je me meurs. Et là, en plus, on l'entend. Donc, ça veut dire que potentiellement, lui, déjà, il m'attaque. Voilà. Donc là, c'était totalement gratuit. À part si c'est un piège. À téléportation. Regarde ces flèches, là. C'est ici qu'on a déclenché le piège, hein. S'il vous plaît, hein. Bonjour, petit conquin. Je vous fais un shot-out. Tout le monde après. Oui, c'est le meilleur bruitage. J'ai envie de pleurer. Je suis bloqué de partout. Je crois qu'on va jouer. Faut me trouver un jeu autre que Skatebird, parce que Skatebird, je pense qu'on va le faire. Je peux me dépenser, en fait, psychologiquement parlant, hein, parce que c'est pas possible. Là, j'ai l'impression d'être enfermé. Oui, bien sûr. Je sais pas pourquoi, hein, je sais pas si vous, ça vous donne cette impression-là aussi. Donc là, on l'a pas déclenché le piège, dans l'autre sens, ça marche. Ok. Là, on peut passer ici, ok. Pourquoi abandon des ombres? Pourquoi abandon des ombres? Il est toujours transparent, là. Là, il y a un piège. C'est un piège, voilà. Je dois être plus touché que je ne le pensais. Une hache d'arme incroyable. Je veux la prendre, mais je peux pas. Alors, on va retoucher, bien sûr, parce qu'on a d'or. On va abandonner un collier d'or. Imaginez, moi, abandonner un collier d'or, quand même. Pour la ramener. Ramener cette hache. Remettre dans l'ombre, parce que... Voilà, bonjour. J'ai une hache mieux que la hache d'arme. Jette ton truc. Importe ça, voilà. Je sais pas ce que ça fait, mais j'imagine que ça va faire quelque chose. Sauvegardons. Faisons dodo maintenant. Je suis choqué.
Un shot de temps d'attente pour Raving Bell. JPP. Je crois qu'ils ont gagné en oui. plus best jeu 2023. Une tâche facile. Regardez-moi, c'est ce best game 2023. J'y crois pas. Hein. C'est pas possible. C'est à voir. Hein. Oh, non, mais y a pas de problème. Hein. Je suis transparent. Je suis transparent. Voilà, je pense qu'on peut rentrer. Il y a vraiment rien ici. Et quoi ce truc? Y a un mur là? Je dois être plus touché que je ne le pensais. Mais la magie, c'est bien. Quand ça s'arrête, pas possible. On va devoir redormir. C'est mon surfait de lire. Mais on peut pas lire les... Mais oui. Regarde. J'ai 24 flèches que je n'ai pas identifiées car je n'ai aucun mage. D'accord ? J'ai pas de possibilité de l'identifier jusqu'à maintenant. On est enfermé dans une tour. Je me dis... Je n'ai peut-être pas de flèche. Je n'ai pas d'identification de la flèche. Mais... Je sais que c'est des flèches. Donc du coup, je me dis, je peux utiliser des flèches. Après, peut-être qu'il y a un désavantage quelque part. Mais je peux l'utiliser. Donc, je l'utilise. C'est comme si je trouvais des pierres par terre et que j'utilisais les pierres. Après que... Quoi ? C'est inconnu sur Donjons et Dragons. Je regarde la Solus Baldur's Gate 1 pour voir s'ils ont des faiblesses. Je pense qu'ils en ont aucune. Le but, c'est vraiment de t'éporter dans ta tête pour que tu meurs. Sur le coup. Regarde, il bloque Dorn direct, mais c'est pas possible ces goûts supérieurs là. Pourquoi tout est accéléré? C'est moi ou J'ai l'impression que... Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un qui tape très très fort avec son... Avec sa hache... Il a été touché, mais il a pas pris de dégâts. Quelqu'un qui tape très... Voilà, voilà, regardez. Regardez, cette hache critique. Elle fait des coups critiques. On le sait déjà. Du coup... Ah oui, c'est x3. Donc ça veut dire que là, j'ai pris 36 points de dégâts. Perforant. Et 12 points de dégâts de base. C'est-à-dire, la première attaque, je me prends ça déjà. La deuxième. Il a fait un critique parce que 20 au dé... Ah ouais. Regarde pas les dés, il y a trop d'écriture. Comment vous pouvez... Attendez. Là, attaque. Il est où Ah oui, il a fait 20. Ah oui, bah oui. Oh. Oh. Vous doutez que je lis pas. On va s'enfuir. Hein. Une tâche facile. Tu es de loin, c'est trop... très sale. Surtout que j'ai pas lu. T'as vu tout le texte qu'il faut mettre? On va jouer avec le texte. Regardez bien à quelle vitesse il découle. Jouons avec les textes. Parce que c'est ça, hein, le truc. C'est ce truc-là, là. Je peux même pas cliquer sur la map tellement c'est... Une tâche facile. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On avance, on se... Je vous montre un combat. La vitesse à laquelle ça va défiler, même si je fais des pauses. Mais là, il y a quelqu'un normalement. Pourquoi il n'y a plus personne? Ah si, ça y est. Ça y est parti. Regardez, regardez, regardez. Hop, hop, hop. Donc là, regarde. 15, 16, 22. Touché. Et c'est pas pour nous. Donc attendez, parce qu'il faut que je joue en même temps. On va lui prendre sa vie. Je zoome, hein, parce que sinon vous voyez rien. En plus, il y a Clem Lelu qui a rajouté du texte au cas où. Les jets de casse. Non, c'est pas les dégâts, je sais. C'est juste. Est-ce que tu vas pouvoir réussir ton attaque? C'est juste en faire. Mais bon, c'est pas grave. On va jouer. Utilise ton gourdin magique pour voir si ça fait quelque chose, mais je crois que. On est mort. Oui? Est-ce qu'on peut faire un truc? Malédiction.
Donc, absorption de vie. Bon, là, Tourbosson a utilisé horreur. Il a fait un jet de sauvegarde de 10. Donc, du coup, il a été sauvegardé. Jet d'attaque 13 plus 4. Touché direct. Subi 11 points de dégâts. Perforant. Infligé par. Résiste à 3 points de dégâts. Donc, on prend. Non affecté par les effets d'absorption de vie. Mais quel enfer! Il disparaît, il réapparaît. Donc ça a cassé tout le monde. Allez, il va me falloir être. Attention, il peut te suivre. Je lis après ton message. Oh, mais on a survécu! Non! Qui a fait le dernier coup? Dorm, avec 26. 19 points de dégâts infligés direct, bim. On a survécu. Incroyable. Peut-être que c'est grâce à la lecture. Peut-être qu'il fallait. Alors, du coup, Clem Lelou, tu m'as envoyé en même temps qu'on faisait la blague sur les textes. J'ai pas trouvé autre chose que ça. These are supposed to be the spirit of the dwarven children that die under Durlag protection. Donc ça veut dire qu'au grosso modo, c'est les enfants de Durlag. Les enfants sous Durlag. Donc du coup, c'est les enfants maudits, j'imagine. Ils apparaissent comme des adultes. Donc leur ombre représentée dans le jeu. Et en fait, ce sont des, donc du coup, et donc ils répètent que c'est encore... ok. Ouais, t'as mis deux fois le texte, une je crois. Une plaie béante sur mer terre. Je la refermerai bien si j'en avais les moyens. Le Maxeureuse en moi crie, c'est-à-dire, tu minimax. Ouais, c'est le vieux système d'engendrement qui est un peu pourri, à mon sens. Plus que 4, ou je sais pas, 6. Il y en avait 2, on est déjà à côté de la porte, je pense qu'on va prendre la porte. Hein. Comme dans tous les jeux à la oui, télé. Oui, bien sûr. on s'enfuit. Et on dort derrière la porte fermée, bien sûr. Voilà. Oui, non mais du coup, les min-maxeurs, t'entends le côté de... parce que moi, je n'ai pas les termes de « je air », you know. T'entends le fait de... t'as des compétences, tu les mets à plus que 11 pour avoir plus 1 en utilisation, c'est ça que tu veux dire. Et moi, je m'en fous un peu. Hein. Un peu comme je joue actuellement à Donjons & Dragons. C'est-à-dire en fonçant dans le tas. Qui a récupéré ses flèches? Qui a récupéré les flèches? Dénoncez-vous. Moi, je soupçonne que la hache non découverte de Khalid, c'est ça qui nous a sauvés. Hein. Même si c'est Dorn qui a fini. Et maintenant, une tâche. D'ailleurs, facile. Dorn, peut-être qu'on va te donner autre chose que la tueuse de... Attends. La tueuse de... d'araignée. Ouais, mais c'est moi. Ah oui, c'est vrai que c'est à deux mains. Bon. Bah, garde la tueuse d'araignée. Rien trouvé de mieux depuis et le début. Où... Bah, on fonce dans le tas. Voilà, ça s'est bien passé. Mais, incroyable! Regardez-moi ce jet. Encore une fois, c'était critique. Oh là là, critique de Roland de la Tourbrosson. Et du coup, il n'y avait pas eu une attaque de... Piège activé. Il a activé, mais est-ce qu'il a attaqué? Attaque. Piège activé. Il n'a pas pu attaquer. Dégâts subis, il a pris 33. Bon, ça va, 33, ça va. Tout le supérieur. Subi un point de dégâts. Ok. Donc, il n'a pas attaqué. Alors, juste une question. Est-ce que dans Baldur's Gate 3, il y a l'usure des armures, parce que c'est vraiment l'enfer, ça. Je suis en train de me dire que le seul truc qui est bien dans le jeu, c'est facile. Ça. C'est que là, pour l'instant, on se prend des coups. Je vais avoir besoin de soins pour m'en sortir. On va dormir là, je pense. Il y a un piège juste sous nos pieds, je pense que c'est le moment de dormir. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est ça. C'est un peu ça. L'attaque plus les dés, plus les dés moins la classe d'armure. Oui, un bon système pour avoir plein d'aléatoires. Faut aimer, ok. Moi je suis team, je pense que je suis team cancan
Collège hiver. J'ai pas encore eu ça. J'en suis à 5-6 heures dans ma partie solo. Ok. Mais du coup, t'as pas pris de coups dans... sur ton armure avec une dureté. Parce que je crois que dans Divinity, c'était un peu ça, non? Je sais plus si s'il y avait ça dans Divinity. Je baisse un peu le son parce que je vois que ça monte, en fait. Le bruit, là, c'est l'enfer. Pourquoi Pourquoi? En fait, le bruit nous dit... Ne venez pas ici. C'est interdit. Au fond de 4 galeries sont tapis 4 ennemis, tuez-les tous et le jeu commencera. Ah bon? Damasque, psalmodie, feu, glace, limon et vent. Tout doit périr pour poursuivre la créature qui crache des flammes. Doit être tué avant d'avoir pu vendre son arc. Damé peut faire basculer une rencontre. Votre désavantage si vous subissez l'action. Le vase ne fait que s'écarter sous les coups. Les sorts, mais s'évapore dans le feu purificateur. Bon. Oui, bien sûr. On a un molotov, hein. Ça peut marcher, j'espère. On va aller là, parce que c'est... Voilà, c'est ici qu'il y a les... C'est ici qu'il y a les 90 millions... Haha! Surprise! On est arrivé par derrière! Vous allez rien faire! Oui? Vous allez rien faire! Bon, on va envoyer Dorm. Ah, j'ai été déconnecté du chat Twitch. J'ai des problèmes de connexion, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là? Bonjour, bonjour! Êtes-vous là? La police. Je crois qu'on en a eu un. Est-ce que vous êtes là? Alors attendez, je vais vérifier que je suis bien en live. Parce qu'il y a une coupure, je ne sais pas pourquoi. Ok. Alors du coup, il faut witness Dorm qui vous va y aller tout seul. Vous êtes une bien étrange personne. Oui, bien sûr. Allez Dorm. Aha. Ça marche pas. Ça marche pas. Salut. On vous attend à l'entrée du couloir. Aha. Bim. Kamehameha. Attends. Deuxième. Bim. Kamehameha. Mais non, mais Dorm, ça sert à rien de revenir. Oh là là. On a dit que ça marchait pas ton truc là, de repousser les morts vivants. Regardez-moi cette flèche. Il va mourir avec cette flèche. Je vous le dis. Voilà. C'est sûr. Oui. Bon, c'est fait. J'avais pas sauvegardé après. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à sauvegarder. Ça y est, c'est fini. On en est à ce moment-là. Regardons. Donc là, il y a un piège qui va se déclencher. Oubliez pas, hein. On va envoyer notre fervente voleuse, alias Imoen, découvrir ce piège qu'elle ne pourra pas désamorcer. Car telle est sa malédiction. Trouver les pièges, ne pas les désamorcer. C'est beau. Qu'est-ce que j'en ai? Ou ne pas les trouver. Oui, mais... Ne vous inquiétez pas. S'il n'y a pas restez le choix, là, nous. Une tâche facile. On a dit qu'on restait ici. Moi, je m'en vais. Salut. Moi, je m'en vais. Je pense que la technique des couloirs, toujours efficace. On est d'accord que Ringing Bell, tu parlais de minimaxer, etc. Mais on est d'accord qu'il faut du coup choper des bons items. C'est fait. Sachant qu'on n'a pas de chaussures, est-ce que ça compte? Parce que c'est vrai, on a jamais rien claqué. Je crois qu'on est surriche dans ce jeu. Ça, c'est un peu mon style de jeu, vraiment. C'est-à-dire de jamais rien claquer, tout trouver par terre. Où est notre thune? Où est notre tunas? Elle est où la tunas? Ouais, la thune. 64 000 balles. Est-ce qu'il faut acheter des trucs dans les magasins? On a rien volé. Mais on n'a rien acheté non plus.
Mais on sait, faut aller voir les clercs, mais les clercs, ils ont pas toutes les églises partout. Tu vois, là, par exemple, je peux l'identifier, mais il faut un sort ou un parchemin, quelque chose que je n'ai pas, parce que le jeu ne me propose pas, en fait. C'est un pain grand gros. Non, pas du tout. En plus, c'est ça qui est triste. C'est C'est fait. que pas du tout. C'est juste que le jeu ne me propose pas, en fait, des items. Ne me propose pas des items potentiellement même dans le jeu en fait. C'est-à-dire que tant que tu les achètes pas à proprement parler, et donc du coup, je rappelle, hein, les potions de soins, c'est 200 balles. Pour ça que je les achète pas. Parce que tout est début là. Là on commence à avoir de la thune, mais en vrai. Mais on est. Alors les 64 000 balles, je tiens à préciser, c'était sur le chemin du professeur Durlag, je rappelle. Et on a vendu aussi des tonnes de scalps qui a coûté 25 ou 5 balles, alors que ça nous a quand même coûté énormément de flèches qu'on a dû, je rappelle, aussi pas acheter. Donc voilà, les flèches on peut les trouver. Les chaussures apparemment non, même dans les magasins. C'est fait. Moi je ne commence pas une aventure tant que j'ai pas de chaussures. Je sais pas pour vous, hein, mais c'est pas possible. Qui c'est qu'on envoie pour pouvoir déclarer la guerre aux squelettes là? On va envoyer Razad, comme ça il va pouvoir faire deux Kamehameha. Et on partira après. Voilà, couché! Le deuxième. Kamehameha! Couché! Quand tu veux, quand tu veux. Quand tu veux. On peut partir. Ce qui est bien avec Razad, c'est qu'au moins il est efficace dans ses attaques. Mais je vous promets, surtout à toi, Ibel, du coup, je vous promets qu'on va claquer ces 64 000 balles. C'est fait. En rien, parce que de toute façon, il faut aller chercher les endroits où trouver. Tu lances quoi là exactement? Qu'est-ce que tu lances? Rien du tout, hein, j'ai un. Lance rien. Ah si! Ah ouais, c'est pas mal si tu les bloques, moi je veux dire. Mais le problème, c'est que c'est. Ça change rien sur le principe. C'est-à-dire que les gens foncent dedans. Vous êtes trop bêtes, hein! Jaera, c'est toi la première qui a sauté dans ton propre piège! On doit lancer des trucs d'évasion maintenant à cause de toi. Oh là 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 là, on peut pas vous faire confiance. Hein. Bon, allez, go. On avance, on avance, on avance. Voilà, pour maintenant que tout le monde groupe. Est mort, on recule. Si c'est possible. C'est comme si c'était fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Alors attends, l'armure d'or, c'était pour Dorne? Celle-ci là? Attends, je l'ai jetée? Non, c'est celle-ci? Allez, on va checker. Je sauvegarde après. Oh, regardez cette beauté. Cette beauté de doré. Pose tactique est faite pour éviter ça. Oui. Oui, indeed. Sauf que, on est d'accord que la pose tactique, elle est bien. Et maintenant, Elle est que se organisée. passe-t-il? Moi j'aime bien laisser un peu de liberté quand même aux personnes qui jouent avec moi. S'ils ont envie de foncer dans le tas, qu'ils foncent dans le tas, tu vois. Après on essaye de gérer le truc. Mais oui, je comprends hein, que ça peut. C'est un peu comme dans les JDR, tu vois. Tu laisses les gens faire n'importe quoi, quoi, un moment. Bon. C'est bon. Il faut un peu de bordel, je pense. Quand tu joues à un jeu de rôle comme ça, faut un peu de bordel. Sinon, c'est pas rigolo. C'est marrant parce qu'il n'y a aucun délai. Et pourtant, il y avait eu un problème de connexion tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Bon, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir faire un truc avec Razad une nouvelle fois?
Salut Strega, j'espère que tu vas bien. Et content que t'aies kiffé le space parce que j'avoue c'était kiffé. Alors. Un deuxième Kamehameha? Parce que là il est peut-être trop loin hein. Tu peux réessayer si tu veux. Y'a pas de problème. On est avec toi hein, Razad. De toute façon t'es le meilleur personnage, on l'a déjà dit. Roland de la Troubonçon c'est un second rôle. Allez hop. On a joué, je joue à Baldur's Gate uniquement pour Azad, hein, je précise. Une tâche facile. Non mais... Ah, non, j'ai cru que c'était un Ashirukurukurukuru. Un Ashirukurukurukuru. Regardez-moi, ça c'est magnifique. L'entrebâillement de la porte. C'est comme ça que se passent tous les combats, hein, bien sûr. C'est connu, hein, il y a le combat de l'entrebâillement de porte de l'aéroport d'Orly. L'entrebâillement de porte de Gare du Nord. Et maintenant, où? Et bien sûr, la grande bataille de l'entrebâillement de porte de Nantes. Très connu, hein. Très très connu. C'est comme ça que se passent toutes les guerres qu'on vend avec le roman national, hein, c'est dans les entrebâillements de porte en vrai. Et après on vous vend des louanges, puisque après on, bien sûr, on n'a pas de... On n'a pas de barde, mais bien sûr après on vendra bien sûr nos écrits, je rappelle, des millions d'euros. Hein. On imposera ça bien sûr à la populace. Mais ça ne sert strictement à rien, on est en train de se prendre des trucs là. Foncer sur sa tête. Oh là là, il y en avait plein. Il y en avait encore plein. Bon, attendez, on va charger. On avait encore 90 millions. Je sais plus où on en était, mais voilà, on était à peu près là. On avait fait la division des flèches ou pas? Oui, mais du coup, il nous restait des flèches là. Intéressant. Mais c'est des flèches en plus de glace, donc on va les prendre. Est-ce qu'on va se débarrasser hein? Tiens, prends les flèches. C'est fait. Roland, s'il te plaît. Mais il y a deux flèches. J'ai vu, il y avait des flèches rouges là. Elles sont où? Pourquoi elles disparaissent là? Ah, je peux les stack. Vends tes écrits avec des NFT. Mais non, bien sûr que non. Je vais faire un code QR pour pouvoir que vous puissiez les récupérer, bien sûr, sur Internet. Et un numéro vert exprès. Alors, je joue à des jeux drôles, une real life avec Petit Cancan spécifiquement. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Mais la dernière fois, c'était rigolo. Là, je suis en train de préparer un jeu sur Starfinder. Mais en fait, il faudrait que je le teste et j'ai personne pour jouer pour l'instant. Donc, je sais pas comment on va faire. Parce que Starfinder, c'est... en fait, tous les trucs que je veux rajouter dedans, je vous explique, hein, parce que je fais des modifications à chaque fois que je joue un jeu de rôle. Et Starfinder, si vous voulez savoir comment j'ai trouvé... C'est comme si j'avais fait la technique de recherche, parce que je sais comment sont les personnes qui jouent au jeu de rôle. Où j'ai cherché Wook JDR. J'ai cherché Wookist JDR pour savoir. Ce qui m'a fait beaucoup rire déjà de faire cette recherche là. Et qu'en fait je l'ai trouvé, parce que c'est vrai que c'est quand même très 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 de gauche quand même truc hein. Mais ouais, du coup, j'ai pris ça, et je fais des modifications pour le rendre un peu plus, comment dire, un peu plus politique. Merci Raza. Ta contribution à cette partie a été incroyable.
Nous allons envoyer Roland de la Tour Brosson pour finir le travail, c'est-à-dire viser des gens à distance avec des flèches de l'enfer. Bien sûr, cachés dans l'ombre, parce que nous sommes comme ça. Hop. Piouf. 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 I have the upper ground. Ou the bad ground, je sais plus. Qui dit. Quoi. Je peux tout stacker, hein. On est d'accord? Oui. Stacker tout, je prends tout. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Je peux pas te proposer de partir tout de suite. Mais si tu veux, dans pas longtemps, on se sépare, hein. Là, ça se stack pas avec un truc si. Note d'où elle venait, il y a une énigme basée sur le feu et le froid, il me semble. Les flèches de glace. Oh non. Mais elle venait des squelettes. Pas le time hein, de penser à une énigme pendant que je boycotte les gens de loin. Hein. Oh. Oh. Pas de problème, la malédiction c'est pas grave. Quand tu veux, hein. La mort la plus pétée de tous les temps. Allez, relance la Tour Brosson, reviens! Reviens parmi nous! là on est tout à fait dans les. C'est fait. On est vraiment dans un truc très compliqué. Et en plus, on voit pas grand chose, hein, c'est vrai. Hein. Non, mais on veut juste passer. C'est pas grave si tu prends des coups, par contre. Merci. Pour le groupe. Oui. Oh là 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 là, oui, quelle histoire qu'on pourra raconter. Je ne suis pas du tout tombé, nous avons eu ces squelettes tranquillement. C'était et incroyable. Que se passe-t-il? Et maintenant, on va faire dodo. Et oui, c'est très sombre. Alors par contre, ça, je suis désolé, hein, mais c'est le jeu, hein, il est comme ça. Donc du coup, pour vendre Starfinder quand même, parce que c'est quand même un bon jeu, de ce que je comprends du système, oui, bien sûr. Il est vachement simplifié aussi, parce que c'est issu de Pathfinder, qui est issu de Donjons et Dragons 3.5, et donc du coup, qui a simplifié Donjons et Dragons pour que ce soit plus accessible. Et donc du coup, il y a des personnages qui sont très très divers. Passons aux choses sérieuses maintenant. Et inclusif en fait en vrai. Donc c'est cool. Bon après j'avoue que pour commencer j'avais fait que vas-y on s'enfuit parce que là on va pas réussir nos gènes, hein. On attend qu'ils reviennent. Venez. Y'a pas de problème, venez. On vous flingue à distance, ici. On va épique. De flécher. Oh là là. Quel jeu incroyable. Oh la flèche qui passe entre les côtes. Bon. Incroyable, merci pour les flèches. Ce qui est bien avec les flèches, c'est qu'on peut les récupérer juste après. Et ça, personne nous le dit. Mais c'est toujours bon à savoir. Par exemple, là, on a des flèches qui sont des flèches perçantes. Et là, on a des flèches glace. Heureusement qu'on les a pas identifiées. Je dois pouvoir te conseiller les podcasts dans leur cellule, vraiment intéressant, genre d'un test d'un game qui émule la colonisation ou un jeu de sauce pour savoir ce qu'il faut faire dans un interrogatoire précis. C'est pas mal. Ça, c'est ça, je veux. Parce que justement, oui, bien sûr. Les Starfinder, en fait, il est bien pour ça, mais je n'ai pas trouvé encore d'histoire. Je cherche, soit je la fais, non, et chiant. Soit je l'invente au pif et à l'arrache, comme je suis capable de le faire. On va, hein, parce qu'on a fait le tour. On a fait le tour.
Mais c'est vrai que ça serait pas mal, par exemple, tout ça. Fait. Déjà qu'il y a, dans les personnages qui ont été créés, pour l'instant, il y a un hors-la-loi qui risque d'avoir un problème. Parce qu'il y a le calcul de la reconnaissance des hors-la-loi qui est par niveau. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est tu dois payer grosso modo 100 balles à chaque niveau si tu te fais choper. Pour t'en sortir, tu dois corrompre, quoi. Et le truc, c'est que j'autorise le choix de personnage avec des niveaux. Où j'aimerais être. Donc, avec des niveaux différents. Donc, ce qui sous-entend des âges différents, aussi. Donc, de l'expérience différente. Donc, il peut y avoir des bas niveaux comme des hauts niveaux dès le début. Et après, c'est moi qui dois m'organiser par rapport à ça. Et l'idée, c'est de faire en sorte que... que cette personne-là, par exemple, capte que le fait d'être hors la loi et d'avoir un haut niveau, ça fait 3000 balles de corruption, sachant qu'au début, tu commences avec 1000 balles. C'est que il va devoir jouer un peu diplomate, quoi. Vous êtes une bien étrange personne. Nous, de flammes, ça fait quoi? C'est en général, ils sont de ce fait très recherchés par les aventuriers. Bah, ça veut dire que ça pèse, ça. Allez, on prend. Il y avait de la place, là. Toi, prends. Porte. Qu'est-ce que vous voulez? Il est un peu plus riche. Mais si tu veux balancer le lien, n'hésite pas, Clem Lelu. Oui? Ça fait d'ac. On va faire dodo, parce qu'on a fait tout le passage là qu'on devait faire. Et il y a un autre truc aussi que je me suis dit, c'est que vu que dans Starfinder... Oh, ça fait horriblement mal aux oreilles, ça. Vu que dans Starfinder, tu peux aussi jouer dans les déplacements d'un vaisseau, je me suis dit qu'on pouvait aussi faire en sorte que le vaisseau devienne un personnage, vu qu'il y a une intelligence artificielle. Et qu'il y a un rapport justement avec les androïdes qui ont des intelligences artificielles aussi, et donc du coup qui créent une entité différente des autres, mais qui sont tout à fait acceptées, ou qui ont des différences ou de gestion uniquement par rapport aux humains, parce que voilà, un rapport maître-esclave qui a été aboli. Mais du coup pour les robots ça serait pour les robots. Oui, parce qu'il y a des drones aussi. Drones et vaisseaux, ce serait intéressant d'être joué par un personnage en fait. Et que ça devienne un personnage jouable. Mais bon voilà. Faudrait qu'on y arrive déjà. Là il y a des trucs hein. On va pas ouvrir ces portes. Je sens qu'on va galérer. On va ouvrir cette porte-là, parce que je soupçonne qu'elle rejoint ce côté-là, qu'on n'a pas ouvert. Merci. Dog, ok. Et du coup, ça traite de manière bien, ou c'est sous-traité, parce que... Ah! I know what it is! J'ai vu récemment... Une The Defenders sur mer terre. Avec l'enfer de Iron Fist. Bien si j'en avais les moyens. Vraiment, hein, pire personnage de tous les temps. Je connais. Ah, bonjour. Voilà, bonjour, Wyvern. Nous sommes ici pour pouvoir te dire bonjour. D'ailleurs, je peux t'offrir. Je vais avoir besoin de soins pour m'en On avait fait la technique de tourner en rond. Ah, y en a plusieurs. Ah, plusieurs Wyvern. Ah, c'est toujours agréable. C'est toujours agréable. Toujours agréable. Mère de sûreté. Voilà, mère de sûreté, ouais, exactement. Alors, il n'y en avait que deux. Ah, il y en a trois. Bon, on va charger. Hein. On va les alpaguer une à une. Taco interrogatoire. Pas mal, pas mal. Alors, il y a... T'as double copié le truc. Tu fais des... Attends, je vais te le séparer. Je vais le couper là.
Je pense qu'on va y aller dans pas longtemps aussi, dans 30 minutes, mais du coup, on va essayer de faire les Wyvern. Alors, pour aller voir les Wyvern, on va essayer de faire la technique de « on tire à distance ». Technique qui n'a pas été suffisamment utilisée. Et bien sûr, dans les ombres, une tâche facile. On a la capacité de faire ça. Donc maintenant, on va pouvoir repérer les Wyvern. Bonjour. L'alpagué. Et dire, oh mince, regarde, on est 90 en fait pour pouvoir te taper. C'est juste incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? What is possible? Je peux faire des kamehameha sur la Wyvern. Elle est supérieure ou pas à la Wyvern? Oui, bien sûr. Pourquoi je me pose la question? Tout est supérieur dans ce trou là. Pas possible, mais regardez-moi ces vies là qui disparaissent. Non mais ça sert à rien. Tu vas nous faire quoi là? C'est qui est en train de se faire taper? À vos ordres. S'il n'y a pas le choix. Voilà, on a ton bon son, t'es pas obligé d'être prêt. Oui, bien sûr. Voilà, il a décidé d'être prêt. Écoutez, repli dans le couloir. Je pense que la Wyvern ne peut pas passer dans le couloir. Ah! Ah! Vous êtes ce genre de Wyvern, donc. Je peux toujours essayer. Voilà, c'est vrai. Hop! La technique de... C'est comme si c'était fait. On peut maudire la Wyvern. On peut pas viser la Wyvern. Légèrement blessé. Hein. Oh! Incroyable. Bon bah du coup on va devoir faire une stratégie. Le serviteur gourle le groupe. Stratégie. Ah, ici. On est dans ce genre de monde-là. Oh là 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 là. Une tâche facile. Viens nous chercher. Je peux toujours essayer. J'en ai assez. Oui, une tâche facile. Non, 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 on a décidé de faire une stratégie, les gens. Arrêtez de foncer dans l'état. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Je pense que tu peux imbiber de poison ton truc. Voilà. Khalid, tu vas faire d'autres trucs, mais pour l'instant, on n'est pas là. On va lui faire un kamehameha dès qu'elle passe. Kamehameha dès qu'elle passe. Oulala, dorme. Oulala. Pour le groupe. Razad, tu peux ne pas mourir en deux coups là. La stratégie était bonne. Bon, on va faire mieux, meilleure stratégie. On va juste passer devant. Une tâche facile. Et on va passer, on va voir. Donc là, c'est le feu, hein, j'imagine, parce que Wyvern, tout ça. Bonjour. 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 Ah. Ah. Bonjour l'ogre. Bonjour. Tarnor. C'est un squelette. Ben. Ah, ça les appelle à chaque fois que je clique dessus. LOL. Bah écoutez... Ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel. Oui, et je ne veux pas fait. Y prendre part. Faut tous les tuer. Hein. C'est ce qui était écrit.
Et on va revenir ici. On va aller alpaguer quelqu'un et on va voir ce que ça donne. Oui. Oui. Non mais pas de problème, t'inquiète. Oh, je dois Viens. Être plus touché que je ne le pensais. La stratégie Roland Atterbrosson. Ah bah il est mort, Morlock. Bon bah voilà. Peut-être que c'était pas le but, hein, mais je crois qu'il voulait discuter. Oh, oh non. Mince. Bon, la stratégie était bien, mais peut-être qu'ils voulaient discuter, donc on va aller voir s'ils veulent discuter. Non, mais la stratégie de l'échec de l'ombre, là, c'est pas possible. Donc ça marche, hein, comme strat aussi, de notification, de juste mettre Baldur's Gate. Hein. Je vous vois, hein, vous arrivez uniquement quand il y a marqué Baldur's Gate. Alors que Baldur, la blague était claire. Une tâche facile. Bon. On peut discuter si tu veux. Hack. Moi, écraser ennemi, montrer à hack ennemi à écrabouiller. Ils sont là-bas, là, hein, si tu veux écrabouiller. Bien, écoute. Bonjour, aventuriers. Nombreux ce sont qui sont descendus ici pour piller les anciens sous-sols de Durlag, et aucun n'en est jamais ressorti. Les aventuriers ne sont pas réputés pour leur sagesse, sinon ils auraient choisi une profession plus sûre. Prenez les 5 qui sont derrière moi, à jamais pétrifiés. Tous ces hommes et femmes sans cervelle sont venus chercher le trésor de Durlag. Aujourd'hui, ils veillent en silence sur son bestiaire. La plupart des autres créatures sont retournées dans la poussière depuis longtemps, mais le grand ver, connu sous le nom de Meshezrarin, repose encore là où il est mort. Époustouflant, n'est-ce pas? Si vous allez plus en avant dans la place, vous trouvez les seules créatures du bestiaire encore vivantes. Ces bêtes ailées ont vécu pendant des siècles grâce à des anciens et puissants enchantements. Personne jusqu'ici n'a pu les vaincre. Cependant, si vous souhaitez défaire ces terribles bêtes, vous pouvez obtenir de l'aide. Chacune des statues qui figurent derrière moi abrite le corps maudit d'un malheureux héros, tu l'as déjà dit, en appuyant sur le bouton qui se trouve à leur base, vous libérez le héros qu'elle renferme. Ce dernier vous servira un moment pour exprimer ma gratitude, un moment seulement. Mais squelette, tu es qui? Ce dernier vous servira un moment, hein. Quand ce moment sera passé, il se vengera de celui ou celle qui a osé lui donner des ordres. Je n'ai plus rien à vous dire. Hack, j'ai besoin de toi. Hack. Hack. J'ai besoin de toi. C'est fait. Oui, bien sûr. Et tape-le. Je dois être plus touché que je ne le pensais. Oui. Je suis Morlock. La seule chose que vous devez savoir, mon sujet, c'est que je suis le meilleur des guerriers. Montrez-moi les monstres qu'il faut. Bah, tape-le lui. Hein. Bon, il y en a un qui est mort de ses propres blessures, c'est pas mal. Ok, vite. Faut qu'on trouve quelqu'un d'autre à taper. Faut que t'ailles mourir dans les bras de la Wyvern qui est juste à côté, s'il te plaît. C'est fait. Donc que j'active tes potes. Oui, bien sûr. Ah bah ça y est, il est en train de se taper. Bah enjoy, hein. Qu'est-ce qu'il nous a donné? La tête de Wyvern. Je prends. Il est décédé, je crois. Vite. Quelqu'un d'autre? Pas un mot! Je suis taureau bondissant du clan noir crinière. Rien ne personne ne peut échapper à la pointe de mes flèches. Montrez-moi vos ennemis, que je puisse les tuer et boire leur sang. Eh bien, écoute, vas-y. Enjoy. Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui t'attend. Voilà. Merci, Clamelelu. On va garder peut-être la mage, parce que j'ai l'impression que c'est une mage. Moi, d'assez mauvaise humeur, sans que vous m'ennuyiez. Je suis Tarnor, ne perdons pas de temps en présentation pour montrer moi simplement ce qu'il faut tuer. Bon, je pense que, vu que tout le monde meurt là-bas, je pense qu'il y a quelqu'un là-bas. Votre casse de la cellule, c'est souvent 2 heures, je préviens au cas où. Ça, c'est pas un problème. Je suis toujours sur la vidéo de H. Oui, Burger sur le plagiat. Je vous la mettrai. Ah bah voilà, il est décédé aussi. Ça sert à quoi de vous avoir si vous mourrez Dites-moi. J'entends encore des bruits d'ailes de Wyvern, et je vois que vous n'utilisez pas vos pouvoirs pour pouvoir les tuer. Je vois trop quoi penser. Surtout qu'en plus, vous laissez rien dans les pieds.
Plus d'armes. Bah, t'as perdu de la vie au moins? Non, même pas. Bon. Ah, c'est parce qu'elles sont deux. Ah, lol. Elles vous attendaient. Cool. Attendez, attendez. Je prends quand même les pièces. Hein. On n'est pas aux pièces. C'est qui les autres que je dois déclarer là? Bon. Utilise tes pouvoirs sur les. C'est fait. Quoi, je t'ai déjà appelé? Lui aussi? Lui, je l'ai pas appelé. Pourquoi je peux pas l'utiliser? Il y a des gens que je peux pas utiliser. Elle est obligée de me parler? On est un peu en mode attaque là. Sirène guerrière et enchanteresse, je n'ai pas le dégâts parmi les miens. Je tirerai tous les ennemis que nous rencontrons. Derrière toi. Salut. Quand tu veux, hein. Et Matt, oui, bien sûr. Ah, enfin. Faire la technique de je tourne. Hein. Merci. Passons aux choses sérieuses. C'était traître. Maintenant. C'était très traître. Bon, bah, salut, hein. Bah, ils sont là en train de m'attendre. Mais on se débarrasse des Wyvern grâce aux gens qu'on devait utiliser, je pense. Peut-être qu'il fallait qu'ils survivent, mais ils sont tous morts face aux Wyvern, donc. Pas trop quoi en penser. Hein. Une tâche facile. Moi, je m'en vais. On peut leur prendre la vie. Alors, c'est possible ou pas? Je peux toujours essayer. Elle a lancé son sort. Ça fait toujours 15 ans, c'est son truc. Et maintenant, où? C'est qui a déjà le lance-flamme? Hazard? Il a utilisé le lance-flamme, je sais même pas. Je peux toujours essayer. À vos ordres. Et voilà. Tout ça grâce à... S'il n'y a pas le choix... Il vient de brûler. Il nous en reste qu'une. Une tâche facile. J'ai l'impression. De toute façon, ils allaient se retourner contre moi, donc je préférais les utiliser contre les Wyvern. On en parlera après quand on aura pire que les Wyvern, je pense. Et genre les basiliques. Mais pourquoi les ghouls supérieurs peuvent passer à côté des Wyvern dans la normalité? Déclarez-vous! Pourquoi? Bon, après, ça fait toujours. Peu de mailles. J'en peux plus. Je suis alpagué à chaque fois là. À part claquer nos superbes flèches, je vois pas trop ce que ça change. Ah le bruit! Oh là là! Puis-je vous aider? Oui, mais on a déjà augmenté tout. Peut-être la hache. Ah non, c'est juste les compétences. Au maître, à ce niveau, le personnage bénéficie d'un bonus de plus 3 pour toucher. Plus 4, ouais. Grand maître, ok. Et là, nous, on est quoi? On est nul. Il existe une porte. Bon, ça, c'était pour la hache. C'est pas grave. Ok, ok. C'est fait. Il nous reste une Wyvern, normalement. Indemne, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas touchée, quoi. Avez-vous besoin de mes services?
C'est un peu... Ok, là. Je vois pas trop comment on va pouvoir faire quoi que ce soit. Je vois pas trop comment ce que ça va changer à son coup. Potion pour rien faire. Hein. Et je peux taper plus vite, ouais. De rapidité. Fort peut-être avec, avec les forces de géant là, mais. Ah, huile de feu ardent, ça je connais. Ça c'est bien ça. Toi hein, qui est devant. Comment il a loupé. S'il n'y a pas le choix. Et il a visé. C'est qui, c'est Razad? I understand. Ça avait l'air d'être Razad. Pour le groupe. Je ferai de mon mieux. Le but, c'est la confusion. Donc, on va faire des déplacements comme ça. C'est lui qui gagne ma hand. Là c'est Razad, donc on peut y aller. Une tâche facile. Pour le groupe. Ils peuvent revivre qu'une fois les statues. Oui oui, on a déjà répondu à ça, une ville. Parce que j'ai pas fait gaffe. On va envoyer Jaira avec le groupe de distance. Pas être des dans son dos, un petit kamehameha, c'est gratuit. Le serviteur de dame à vos ordres. S'il n'y a pas le choix. Oui, pour le groupe. Ça devient compliqué. Pourquoi tu montes ? Je peux toujours essayer. Je comprends pas pourquoi vous visez pas ce truc-là. Là. À vos ordres. Ça sert à rien, ils volent. Il nous faut un truc. Il n'y a pas de magie, donc on s'en fout. Oui, mais ça va, je pense, non ? Comparé, la taille est petite. Maintenant, le but, ça va être que de lancer la boule. Lancer la boule avant qu'on se prenne le coup. C'est fait. Il l'a pris quand même. Oh là là là. On peut pas faire confiance au jet de dés là. Oui. Passons aux choses sérieuses maintenant. S'il n'y a pas le choix. Je crois qu'on va mourir. Hein. Je vois pas trop comment on s'en sort. Please, aid me. I understand.
Je peux toujours essayer. S'il n'y a pas le choix. Ma lame vous coupera un morceau. Une tâche facile. I understand. C'est fait. Pour le groupe. Allez, on recule. Je vois pas trop comment on va pouvoir s'en sortir sans mourir sur le chemin. J'avoue. À vos ordres. Ah, je sais pas. Je peux toujours essayer. Une tâche facile. Vous avez quelque chose à accomplir ? À vos ordres. C'est fait. Je compte uniquement sur la faculté facile de cette ouverture de ne pas ouvrir les portes. On n'est pas dans Jurassic Park. Oui, bien sûr. Try to keep up. Le service à vos ordres. Pourquoi tu t'arrêtes pour la ville ? Nous, on veut s'arrêter pour la porte. Et voilà, c'est comme ça qu'on se débarrasse des Wyvern. D'accord qu'on peut pas sauvegarder. Pour être sûr. Oui, bien sûr. On pourrait passer par là ou pas? Non. Non. Ça marche. Ça, c'est bien ça. Ça veut dire que potentiellement on l'a blessé. On revient. Et on meurt face aux ghouls, c'est ça l'histoire? S'il n'y a pas le choix. I understand. Oui, bien sûr. Oui, il faut toujours fermer la porte quand on n'y arrive pas. Ça ne sert à rien, des fois ça marche. Oui, au bordel. Aux figures autoritaires, c'est comme si c'était fait. Regardez bien comment ils se bloquent là. C'est beau, hein, quand même. Ah, il utilise ses mains là. Pourquoi tu utilises tes mains? Alors, t'as pas de pêche? Quoi, cette histoire? Razad qui va mourir ici, maintenant, tout de suite. Voilà. Regroupement. Autour de Roland de la Tour Bresson pour faire dodo. Pas grave, t'inquiète. Ah, le bruit. Eh ben, on a réussi. Nous avons survécu à la Wyvern. Maintenant, on va voir si derrière la porte, elle est là. La blague de la Wyvern. Ah, elle n'est point là. Par contre, est-ce que vous pensez qu'elle s'est déplacée? Ça, c'est la grande question. Ah, mais pourquoi il n'y a pas Roland de la Tour Bresson? Une tâche facile. Regroupement. Une tâche facile. On va y arriver, hein. On va passer cette difficulté.
Ah, peut-être qu'elle est décédée d'elle-même. Elle a dit, oh, je suis fatiguée. Indemne. Elle est indemne. Elle s'est reposée aussi. Bon, alors du coup, on va faire ça. La stratégie de passer par ici. Apparemment, elle passe par les portes doubles, déjà. Est-ce qu'elle passe par les portes simples? Attends. C'est là qu'on la bombocade par derrière. Attendez, il y a des stratégies là qui arrivent. Ça s'appelle une attaque de d'opportunité. C'est qui qui est là-bas? Ah, il y a Dorn, ok. Donc on va mettre au long de la tour Brosson derrière déjà parce que on va pas mourir d'un coup. Ah, ah bah voilà, voilà, voilà. L'attaque d'opportunité était belle, mais. Et ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très cool. Ça veut dire qu'on peut l'attirer avec Khalid. Je peux toujours essayer. On va faire ça. On va l'attirer. Et la stratégie va être de la bloquer par derrière. Bim. Oui, bien sûr. C'est pas grave, Khalid. T'inquiète. Voilà. Vite. Arriver par derrière. Une tâche facile. On l'a bloqué dans le couloir. On peut même fermer la porte tellement qu'on est des gens comme ça. Voilà, elle est bloquée, elle va se prendre les coups, et le but, bien entendu, c'est de placer les gens qui tirent ici, les gens au corps à corps qui peuvent gérer ça au corps à corps. Voilà, hop, bim, on continue. Elle va se prendre les coups, hein. On est d'accord qu'elle se prend les coups du piège là. Attends, tu nous vis un petit peu. Voilà. Je crois qu'on a manifuck le game là. Je pense que c'est pas mal. Attends un peu Jaira aussi, quoi. Pour bénir tout le monde. Moi je suis un pro à ce genre de truc. Hein. Utiliser l'environnement. Ouais. Pour le groupe. Pas de peine pour ceux tombés dans des batailles. Lol, justes. Il a pris un coup, il est décédé. Vatis Vat. Oh là 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 là, la stratégie était bonne. Allez. S'il n'y a pas le choix. Salut, je suis par là. Bienvenue. Voilà, je passe par là. Hop. Maintenant, on peut faire deuxième stratégie. La deuxième stratégie, c'est de fermer la porte derrière. Et comme ça, pas de problème avec la Wyvern. Mais elle donne quand même 5 points de vie. 5000 points de vie. Donc on peut se dire que ça claque quand même. Là, elle prend pas le coup, je crois. Ah, peut-être si. Ouais, on va fermer la porte. On peut fermer la porte ou pas? On oui, a besoin de flécher une tâche ici. Facile. Et de Dorn et Ger. C'est comme si c'était fait. I shall commit to the task. En vrai, il y a moyen de le faire, même juste en étant là et en tirant sur les flèches, avec les flèches. On peut être patient, on a des flèches. On va lui prendre un peu de vie quand même, histoire de que ça se passe. Clara, t'es pas obligé de foncer dans le tas. Je précise. T'es Dorn, c'est pareil, t'es pas obligé. Pour le groupe. On peut pas lancer son sort. En fait, je vous veux pas dans le coin parce que ça sert à rien, vous allez foncer dans le tas. Je veux bien Razad parce qu'au moins il se déplace. Et ça, c'est pas considéré comme des attaques d'opportunité, ça? Dans le dos comme ça, hein. Regardez-moi tous ces ratés.
Oui, bien sûr. Pas possible, hein. Elle est gravement blessée. Piste des flèches qui font boum, là, s'il te plaît. Ou des flèches qui font pic. On veut des trucs qui fonctionnent là, Roland, notre version, s'il te plaît. Et quoi, tout s'est raté là. Je sais pas ce qui se passe, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est désavantageux pour moi là? Ah! Échec critique, carrément! Vous êtes une bien étrange personne. Je me rappelle qu'on était plus fort en jet de... Regarde-moi tous ces ratés là, toutes ces flèches mortes! Bien sûr. Comme si t'avais 90 millions d'autres flèches. T'inquiète qu'on va tous les utiliser même si c'est raté, hein. Bah attends, mais c'est pas possible cette histoire. Faut que je me rapproche à combien de mètres? Mais je sais pas, c'est une wyverne supérieure, donc je sais pas. Je mets bestiole, j'accepte. Pas, hein. Franchement, je comprends pas. Que si je suis là, est-ce que je peux m'envoyer une bouteille de d'huile? Non, bah non, parce que j'ai plus d'huile. Huile du feu là. Ah, peut-être que les dégâts de sang. Alors attends, je vais aller loin. Je vais aller chercher les trucs de les fléchettes pour voir ce que ça donne. On va les lancer dessus parce que les dégâts de sang, peut-être que ça fait quelque chose. Ah, elle prend quand même le coup, mais que du piège, c'est ça? Ah, ça y est. Enfin, elle prend des coups. Ok, j'aille, donne-moi les trucs de sang. Hein. Quoi, j'ai pas la place, c'est ça, 50 millions? Oui, je n'ai pas la place. Je te donne ça en étant, en échange. Non? Moi, je veux voir de l'action différente. Est-ce qu'on peut avoir de l'action différente? Je veux voir ce que tu fais avec ça. On est d'accord, c'est à distance. Voilà. Est-ce que ça fait des coups? Razade. Raté. Il a changé tout de suite. Il en a lancé deux, il a décidé d'arrêter. C'est quand même grave, hein. C'est quand même très grave, hein. C'est quand même très très grave, là, ce qui est en train de se dérouler. Regardez-moi ce combat, il est... Normalement, logiquement, on a gagné, hein. Comment c'est possible qu'on se retrouve dans ce truc-là? C'est pas parce que le jeu, il veut pas qu'on joue comme ça. On est en train de claquer toutes nos flèches alors qu'on en aura besoin. GR1... Tu peux utiliser ça pour de ma part. Bah, t'as d'autres fléchettes en plus. Allez, hop. Non, c'est Jaira que je veux. Pour le groupe. Ah, enfin! Regardez-moi. Là, c'est un 20. Elle subit que 2 points de dégâts. Je viens de te prendre 50 secondes de décalage. Ouais, mais après, de toute façon, ça changera rien. Parce qu'on est toujours au même moment à son coup. Je suis deg. Ouais, les échecs critiques de Roland. Ah!
un point de dégâts infligé par Jaira. Donc du coup, Jaira, elle lance bien. 2 points de dégâts de projectile lancés par Rui. Ouais, mais après, il y a une masse de protection, cette fouille verne. Bon, en tout cas, ça se passe. Ça y est, Imoen a touché enfin. Non, c'est Roland de la Tourbrousse encore. Subit 4 points de dégâts. Sur 12, donc ça fait on a quand même des bons jets. Mais par contre, sa résistance est incroyable. Là, le piège, il la tape pas, hein, putain. Oui, bon, Jaira, on a compris que t'avais utilisé 23 fléchettes, mais on en a encore d'autres. Hein. Ah, est-ce que ça marche? On peut les troisièmes. Non, toujours pas. Résistance à la magie. Donc, ça sert à rien en fait. Faut des trucs de percer. Donc, hop. Des flèches à la magie, c'est pareil. On va arrêter de claquer des flèches nulles. On va utiliser des flèches vraiment nulles. Dégâts combat. Hein. Je sais pas si je suis content. Je peux toujours essayer. C'est fait. Oui, c'est ça. C'est fait. C'est vraiment nul. J'ai un retour dans mon chat. Si tu meurs, donc tu n'es pas mort. Ouais, non, je suis pas mort. Voilà. Attends, y a un petit décalage, mais je suis pas mort. Peu dégâts. Hein. On va dormir, on va se faire tuer par des ghouls supérieurs, donc ok. Ah mais what's the time? Vous avez des personnes... Ah bah il y a encore un... Et, allez voir. On va voir ce qui se passe ici. Ah oui d'accord. Là c'est la question des trois portes. Quelle porte on choisit? Il y en a quatre même. D'accord qu'il y a un piège ici en plus. Oui, bien sûr. Ah, il revient tout le temps. Ah, c'est une blague. C'est une blague. Ah, oh non. Et je l'ai eu un peu à la fin. Je l'ai eu à la fin. Donc c'est garde du phénix, il revient tout le temps. Donc il faut juste pas envoyer Roland de la Tourbrousson, mais sinon c'est bon. C'est fait. Donc on attaque d'abord le garde du phénix. On va pas Roland de la Tourbrousson. Oui, bien sûr. Après, on s'occupe. Voilà. Maintenant, on s'occupe du phénix. À distance, si c'est possible pour les deux, à distance. On va lui piquer sa vie en passant. Hein. Voilà. Je crois que d'ailleurs, t'as un truc pour voler les vies aussi. Okay,
Ah bah il est mort. Je m'affaiblis. Il revient. Il va me falloir un guérisseur au plus vite. C'est bon, c'est bon. Donc du coup, faut tous les tuer. Bah ça y est, c'est bon, il y en oui, a un déjà. C'est fait. Salut. T'as rien donné. Faut que je m'arrête, hein. Il est 35, j'avais pas vu l'heure. Enfin, je l'ai vu il y a 2 minutes. C'est fait. Checker ce qu'il y a là-bas. Ah non, mais il y a peut-être un sens pour les tuer. C'était ça le truc. C'est fait. Oh, non. Une tâche facile. Au fond de 4 galeries sont tapis 4 ennemis. Tuez-les tous et le jeu commencera. La vase ne fait que s'écarter sous les coups et les sorts mais s'évaporent dans le feu purificateur, d'accord? Le masque d'Hammer peut faire basculer une rencontre à votre désavantage, d'accord? Feu, glace, limon et vent, tout doit périr pour poursuivre. La créature qui crache des flammes doit être tuée avant d'avoir pu bander son arc. Le bot qui lance l'alarme. Bah non, je suis pas mort surtout, c'est qu'on m'a pas lancé. Je l'ai pas compté celle-ci, je sais plus pourquoi. Mais c'est une vraie question. Bonne question. Ma lame vous coupera. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une lugarne de petite? Qu'est-ce que c'est que ça? Créature d'air. J'ai si froid. Pas de peine pour ceux tombés dans des batailles justes. Cours. J'ai quand même sauvegardé et ah oui, il y a une énigme. On me rappelait qu'il y a une énigme. Bon, c'était bien. Hein. On va essayer de voir ce qu'on peut faire la prochaine fois. Ce sera sans doute mardi. Et je vous envoie je ne sais où.